Le Midwest américain frappé par de violentes tornades dimanche. Une puissante tempête a traversé les états du Kansas, de l'Oklahoma et de l'Iowa. Bilan, des centaines d'habitations détruites, des arbres arrachés, des dizaines de blessés et au moins un mort. C'est ici, à Shawnee, dans l'Oklahoma, à une soixantaine de kilomètres au sud-est d'Oklahoma City, que l'un des nuages noirs en forme d'entonnoir s'est abattu sur un groupe de mobile homes, faisant au moins une victime. Les habitations mobiles ont été réduites en un amas de ferrailles, poussant les familles à chercher des abris à 150 km à la ronde. Dans les trois états concernés, des milliers de maisons se retrouvent sans électricité. Mais ces tornades n'ont pas pris les secouristes de court. Ils étaient sur le pied de guerre depuis mercredi, les météorologues ayant prédit l'arrivée de la tempête depuis plusieurs jours. Déjà jeudi, 10 tornades avaient fait 6 morts et des dizaines de blessés dans l'état du Texas.